Chez les Shaddock, il y avait des machines à pomper soi-disant perpétuelles. Des machines à pomper des cailloux, des machines à pomper l'air, des machines à pomper des trucs et des machins. Tout cela à base de Shaddock, naturellement. Pas tellement perpétuel tout de même, car les Shaddock moteurs étaient sujets à des faiblesses passagères ou même tout à fait définitives. Sans compter que ces Shaddock-là, il fallait les alimenter, pas nécessairement en mets délicats, mais quand même. C'est donc que la mécanique intime Shaddock n'était pas au point, disait-il. Ce qu'il leur fallait, c'était le moteur à pomper perpétuel qui non seulement ne s'arrêterait jamais, mais qui n'aurait besoin de rien pour marcher. Et ceci jusqu'à ad vitam aeternam, et même plus si possible. Simple problème de mécanique, disait-il. Des mécaniciens hautement diplômés sont triés sur le volet et chargés de percer les secrets intimes de la mécanique. Pour la faire travailler selon nos lois, la mécanique, il suffit de la pâter avec des dédales de pédales, de câbles, d'engrenages ou des portes triangles. Et plus ce sera compliqué, plus cela aura de chances de marcher. Ne les inondons point sur les routes dentées, les poulies hélicoïdales, les engrenages à triple effet, les ressorts à retardement et tout le tremblement. Le premier projet de moteur perpétuel Shaddock devait utiliser une loi naturelle en vigueur à cette époque, la gravité. Les Shaddock passaient au haut d'une roue, par leur poids, la fait tourner, actionnant ainsi les machines à pomper. Arrivés en bas, les Shaddock seraient remontés grâce à un jeu subtil d'engrenage par cuillère et fourchette à rétroaxe. Des Shaddock sont spécialement engraissés. Mais certains Shaddockos rabat-joie disaient que cela ne marcherait jamais. Et en effet, cela ne marcha pas. Les mécaniciens sont incontinents mis au goulp. D'autres sont d'orechef triés sur le volet. Le deuxième prototype de moteur perpétuel Shaddock devait utiliser le principe du vent. Une pompe à vent ferait tourner un moulin à vent, qui ferait tourner la pompe à vent et la machine à pomper. Et cela ne marcha pas non plus. D'autres mécaniciens sont triés, d'autres mécaniques inventées. Les Shaddockos triomphaient, les mécaniques les plus subtiles, riaient-ils. Ne vous ferons pas échapper à notre loi fondamentale, on ne peut pas faire quelque chose à partir de rien. L'énergie qu'a fournie le Shaddock en descendant, il faut la dépenser entièrement pour leur monter. Mais consolez-vous, ajouta-t-il, car si rien ne se crée, rien ne se perd.